Salut tout le monde, c'est Petite Crevette, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un tout nouveau let's play Animal Crossing New Leaf, là où je vais essayer d'avoir la machine à coudre. Et pour cela il faut parler de semaines à Cousette, celle qui est là, donc je vais parler aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avancer les jours en fait. Donc voilà, je sais ça se fait pas trop, mais j'en ai vraiment besoin pour pouvoir avoir la machine à coudre et pouvoir faire des motifs dans ma ville, donc pour pouvoir l'avancer. Parce que je joue pas du tout tous les jours, donc il faut que j'avance les jours, c'est obligatoire moi. Parce que sinon les autres jours, j'ai pas le temps. Donc ce que je vais faire en fait là, c'est que je vais vous mettre en avancée des fois les jours. Et quand je vous parle, j'ai pu vous les mettre en avancée. Voilà. Donc si vous voulez une présentation de ma ville, dites-moi en commentaire. Mais déjà en fait, ce que je vais faire, c'est que avant de vous présenter ma ville, il va falloir que je mette des motifs. Et donc pour cela que j'ai la machine à coudre. Les deux vont ensemble. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout comment avancer les jours, donc c'est exactement facile. Hein, vous cliquez sur... elle vous demande si vous pouvez commencer à partir, vous cliquez sur autre chose. Et ensuite, et bah vous demandez des tâches et vous dites régler l'heure. Après, elle dit oh mince, maman, t'as arrêté de les régler, je sais pas quoi. Elle vous demande quelle journée, après vous avancez comme ça. Et si vous, il n'est pas encore 10h, donc le magasin n'est pas encore ouvert, vous pouvez avancer les heures. Moi, il est 10h. Je n'ai donc pas besoin. C'est bien ça, donc après, c'est bien ça, vous mettez ça. Donc c'est un petit tuto en même temps, mais moi, je trouve ça un let's play. C'est pas vraiment un tuto. Et donc, après que vous ayez bien l'heure, il est là, on peut le mettre lui, allons-y, vu que normalement l'heure est bonne. Ah, donc là, elle s'occupe des informations, et puis voilà. Après, je voulais lui parler, et vraiment tous les jours, en fait, pendant 15 jours. Donc ça, c'est long, j'en ai déjà fait 3 des jours. Je marque dans mon téléphone les nombres, parce que sinon, je vais jamais arriver, en fait, à les retenir, c'est ça le truc. C'est 1, 2, 3. Donc, je vais marquer 1, 2, 3. Donc voilà, j'ai marqué 1, 2, 3, en fait, ici. Vous voyez pas. Et là, je vais faire 4e. Quatrième jour. Voilà, désolé. Après, pour cela, malheureusement, vous retournez toujours dans votre maison. C'est moi, je l'ai mis à côté de la mer, c'est beau parce que c'est assez joli. Et puis le plan de ma ville est pas mal avec les deux ponts. C'est pas mal parce que je peux sortir de là, je peux sortir là et je peux aller à la plage si je suis de ce côté et même si je suis de ce côté. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi. Et donc vous allez tout en haut. Je pose mon téléphone. Oh, il y a un habitant. Je vais lui parler parce que ça fait 4 mois que je l'ai pas vu. Oh non, c'est celui qui vient d'aménager. Oh, trop chou. Donc ce let's play sera peut-être un petit peu long, je suis vraiment désolée. Donc j'ai bien marqué environ 15 jours, parce que dans la vidéo que j'avais regardée, il disait bien environ 15 jours. Donc je ne sais pas si ça va marcher pour de vrai en fait, voilà. J'espère que ça va marcher en tout cas, parce que si ça marche pas, je suis assez deg. Donc là j'en suis à la troisième fois. Donc à un moment je pense que je vais vous accélérer. Là pour l'instant je vous accélère pas. Sinon ça s'appelle pas l'espèce si c'est dû accélérer. Kiki, c'est vrai, tu es devenu proche de Chloé. Non, okay. J'entends, oh là, à ton avis, quand verrons-nous Chloé aujourd'hui? Toute la journée. Oh, il est trop chou. Kiki, tu réponds d'appel ça avant même qu'on ouvre la boutique le matin. Oh, la yette. Kiki, ne sois pas si sérieuse. Oh, trop chou. Je veux quand même un petit peu voir les masques, etc. Qu'il y a de façon, d'une toute manière, autant que je fasse ça. Ça fait 4e fois. Hop. Je sais, je suis en pleine galère, mais en fait, non, je galère pas du tout dans ma vie, vous savez, c'est vraiment... Ah oui, moi, je ferais peut-être pas... Je pense pas faire Halloween, parce que je serais déjà en vacances, et... Ah oui, et en parlant des vacances d'octobre, parce que ça approche avant pas, je ne suis pas là du tout pendant toutes les vacances. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais planifier des vidéos, et ouais, encore. Il va falloir que je mette, parce que sinon, je vais bien galérer, donc je vais devoir planifier des vidéos. Et voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais pas du tout. Ah oui, en parlant de vacances, donc pendant les vacances, je vais planifier des vidéos, donc il va falloir que je m'y mette. Donc je vais faire une vidéo pour vous annoncer que je vais les planifier. Normalement, vous verrez les vidéos information vacances. Voilà, c'est sûr, vous verrez, normalement, j'en ferai une, vous serez informé. Deuxième jour, enfin le quatrième jour, je sais pas. Donc nous sommes le cinquième jour et ma maman m'envoie une lettre. Bonjour Chloé, l'automne me rappelle toujours ces soirées où tu essaies de convaincre les lucioles de venir se poser sur ta main. Ne prends pas froid, maman. J'ai un cadeau en plus, donc désolé pour le bruit, je vais essayer de m'approcher de la carte. Je sais pas, ah oui c'est là, je sais comment on fait. Hop, ça je vous montre en même temps. Retire le cadeau, qu'est-ce qu'elle m'offre ma belle mamounette. J'appelle ma mère en fait.
un champ de blé. Oh, j'en ai acheté! C'est génial, j'ai deux champs de blé de la vie, quoi. Je vais aller dans ma maison d'ailleurs, et je vais mettre mes deux champs de blé. Et vu que j'en ai, bah, je me dis autant les mettre, quoi. J'espère que vous aimez ma maison. Moi j'aime beaucoup, c'est trop top. Voici à quoi ressemble de l'intérieur. Oh non, il y a toujours des cafards, ça me saoule. Oh, bah ça y est, il y en a plus. Ah, la bonne à tous les cafards ont disparu. C'est vraiment plus fort comme ça. Je sais pas, j'ai mis. Comment on les bouge? Je sais pas du tout comment on les bouge, les champs de blé. Donc je sais pas du tout non plus où là on va les mettre. Là il y avait pas une table. Ah oui, mais j'avais pas sauvegardé, ça va, désolé. Je me servais des petits souvenirs. Mes champs de blé, je pense pas que je vais les mettre tout de suite. Hein. Moi je vais les mettre dans mon armoire parce que j'ai un peu nul les champs de blé. Désolé de dire ça, mais j'ai pas trop d'inspiration pour savoir les mettre. Hein. Dieu, mais je suis en train de décrire. Voilà. Voilà, ça fait justement 4 fois qu'on avait parlé à Cousette ou je sais pas quoi là. C'est trop désespérant. Donc là je vais aller voir s'il n'y a pas une armoire parce que j'aimerais beaucoup beaucoup acheter une armoire, j'ai besoin des armoires, c'est tout malade. Donc on commence à partir dans ma vie, hein, parce que voilà. Ah oui c'est vrai, donc mais ça c'est avec quelqu'un qui l'avait acheté. Ouais non tu l'as pas acheté, donc ça c'est juste un carton, c'est une armoire en fait. Ok donc en fait là je suis en train d'acheter une armoire. Par contre elle est vraiment assez moche. Alors voilà quand même je pense que je vais. Je suis vraiment désolée, je sais pas, ça a coupé. Alors, je sais pas si vous avez vu que j'ai eu la machine à coudre. Voilà, je sais pas. Mais je l'ai eu, je suis trop contente. Donc, en fait, moi j'ai parlé que 6 jours pour ceux qui n'ont pas suivi. Bah, voilà. Bah, je pense que j'aimerais l'utiliser. Donc, je vais utiliser la machine à coudre devant vos yeux. Voilà. Désolée si ça a coupé un moment, je suis vraiment désolée. Ce let's play va être vraiment catastrophique. Comme le dernier. Donc, là, je vais allumer mon ordi. Normalement, il est déjà allumé, j'ai pas mis mon truc, quoi, bien entendu. Donc voilà, là j'étais en train de regarder un truc sur Animal Crossing Wild World et j'ai un motif de Princess Carlos et un motif du drop de Rainbow Dash. Oh my god. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la machine à coudre. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire. En tout cas, va vous demander ça, vous dites j'aimerais l'utiliser. C'est assez galère comment je fais là. Je pense que je vais tout mettre ma tasse ici. Et voilà. On va demander ça. Lire un QR code.
aucun problème, ils sont tellement moches mes motifs que j'ai vraiment aucun problème. Bon, déjà ils sont tous moches, mais c'est lui que j'ai des têtes, c'est quoi ce drapeau chelou? Je vais zapper, c'était tellement bien. Donc je vais le faire, je vais vous filmer. Donc je crois qu'il en faut 4, donc ça c'est le premier sur 4. Bon, je sais pas trop comment il faut faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer en accéléré. Le temps que j'arrive à savoir, c'est comment qu'il faut faire. Allez, filmage. Ça y est. Ouais, tire cam numéro 1. Lui, préparez les clairtops suivants. Aucun souci, mais d'abord, préparez juste pour vous filmer. Donc voilà. Ok, un deuxième QR code. Donc voilà, ça ressemble à ça. Un deuxième QR code. Et donc, vous avez ça. Et vous voyez ce que j'ai, un micro d'ordi. Donc voilà. Et ça sera juste un atelier en pendant que si vous le voulez. C'est pas moi qui l'ai créé. Et voilà. Hop. Ça ressemble à ça pour que vous devez. Il y a plusieurs choses, mais aussi à avoir un seul des motifs. Donc un seul QR code. Ça fait derrière. Ah, ouais. Le deuxième. Donc on a QR code numéro 2 lui. On a pas le. Non, pas quitter, j'ai peur. J'ai pas fait faire quitter. Hop, ça m'a assez galère avec celui du bas. Attends, je vais essayer de monter un peu mon écran d'ordi. Pour cela, je vais lancer mon ADL, mon appareil photo. Tu vois, ton accéléré, ça va bien galère. Hop. Pourquoi ça fait pas un bouton? C'est plus de 1 an et quart que je suis en train de galérer à prendre des motifs MLP. Donc, je les ai tous sauvegardés, heureusement d'ailleurs. Donc, voici ceux que j'ai déjà dans ma poche tout le temps. Pas mes préférés, mais bon, j'ai pris des hasards. Alors, ceux que j'ai tout le temps, donc dans le A, c'est des motifs MLP, dans le B, c'est des motifs basiques. Et dans le C, je sais pas trop ce que je vais mettre. Pff, j'ai bien galéré, moi, je vous jure. Alors, déjà, donc, dans les Man 6, j'ai pris Pinkie Pie.
Rainbow Dash, Twilight, Rarity, Applejack et Fluttershy. Donc elles sont juste magnifiques. Regardez-moi ça, ces détails, ils sont juste trop beaux. Mais moi j'arriverai jamais à faire ça. Rainbow Dash. Ah oui, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas volé les motifs vu que je les ai trouvés sur YouTube. Donc ils ont fait exprès pour qu'on les prenne. Hein. Voilà, je vous dis juste ça parce que voilà. Dans les princesses, j'ai. Après une galère, voilà. J'ai Cadence. Et Celestia et Luna. Donc j'ai vu aussi qu'une Chrysalis et Nightmare Mouche, mais j'étais dead, ça y est, c'est mort. Donc ça, c'est la petite marque de Rainbow Dash en robe que j'avais pris tout à l'heure. Et ensuite, dans notre personnage, un petit peu dans les matchs, mais vraiment, c'est Spike. Ici même. J'ai vu aussi Derpy, mais là, j'ai pris d'abord que cela parce que c'est déjà beaucoup. Normalement, je vais faire un petit pattern, surtout avec Pinkie Pie. Voilà, même si ma ville elle s'appelle pas trop un rapport avec My Little Pony, ça sera un rapport avec My Little Pony quand même. Donc voici un motif que j'ai créé moi-même. Oh, magique. Voici, vous cliquez sur effacer, c'est chaud, regardez. Ça s'efface direct, tu peux pas retourner en arrière si t'as pas fait exprès, alors voilà, c'est pour ça donc que je vérifie si j'ai bien tout, sinon je sauvegarde pas. Ah oui, c'est normal. Ah, c'est pour ça. C'est galère, hein, je vous jure. J'ai bien les Man 6. Parfait, Spike, les deux princesses. Donc voilà, et quand vous faites fermer, ça sauvegarde automatiquement. Donc comme ça, t'es chaud, voilà, tu sauvegardes, tu fais pas de bêtises, ça y est, ça sauvegarde. Voilà, cette vidéo est terminée, donc je vous ai pas filmé quand j'ai pris les QR codes, sinon une heure et quart de filmage, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère que ce petit épisode vous aura plu, donc voilà, Penta Story, t'as eu tes épisodes suivants. Surtout pour un prochain épisode sûrement, que je vais tourner le week-end prochain, parce que je tourne pas pendant l'école, moi je tourne pas pendant l'école, ça me va pas du tout, j'arrive pas à tourner pendant l'école, c'est incroyable. Mais bon, voilà, je suis trop heureux, ça y est, j'ai mes modèles MLP. Donc dans le prochain épisode, j'essaierai de ramener ma ville un petit peu plus de travaux publics, parce qu'ils m'ont demandé, ainsi que bah, des motifs. Voilà, bah voilà. Et je vous ai parlé de Happy Home Designer, je crois, mais j'ai pas terminé. Je sais pas trop si je vais prendre la nouvelle, mais on verra, je vous ferai une petite vidéo d'information. Pareil pour les vacances. Hop. Ah oui, je voulais aussi vite fait vous dire que mon quad ami, que vous pouvez m'ajouter en ami. Mais j'ajoute vraiment ceux que je connais un peu au hasard. Vous venez m'ajouter en ami, sinon j'aurais plus de place du tout. Voilà, ça va, j'ai de la place. Donc voilà, alors déjà, voici mon quad ami à moi. C'est quel est. Attendez. Voilà, donc il sera en description comme le code numérique de Animal Crossing. Je vais mettre pause aussi. Donc ensuite, je vais vous montrer j'ai qui d'autre. J'ai ma soeur. Donc voilà. J'ai ma copine, Angela. J'ai Daniel, donc voilà, c'est quelqu'un d'autre. J'ai Anna, Shadow, enfin voilà, c'est des personnes que je connais moi-même, Marie, que je connais en vrai. Lisa. Lisa, c'est ma belle Lisa, donc de YouTube qui est partie. Et Louise, bah c'est bonne Toy Story. Je te titi, bah c'est je te titi. Donc voilà, c'est bien mes meilleurs amis quoi que j'ai. Et j'en ai zappé. Cécilia, c'est Shamigami, un truc comme ça, j'ai oublié mon pseudo. Et Yumi Kawaii, bah c'est Yumi Sweet. J'en ai 14 des amis. Donc je vous ai pas vraiment montré les codes d'amis parce que je sais pas si ça avait envie. Donc voilà, mon code d'amis, bah je vous le présente. C'est ça. Et je dis, hey, voilà. Mais dites-moi en commentaire votre code d'amis si vous voulez m'ajouter. Parce qu'en fait, c'est moi qui décide. Sans blague. J'ai aussi Miverse, mais pour l'instant, je vais plus trop sur Miverse, alors je vous le donnerai pas pour l'instant. Voilà. Et pour ceux qui veulent savoir comment faire des fonds comme ça, dites-le moi en commentaire. Bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Viva CNL.